Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer la séance d'aujourd'hui. Et je rappelle que nous aurons à 11h30 le séminaire de Jean-Claude Garot de Lille, qui nous parlera donc de localisation d'Anderson, transition d'Anderson avec des atomes froids en régime de chaos quantique. Et le cours d'aujourd'hui, lui, va être consacré, alors je vais réduire un peu la lumière, va être consacré aux oscillations de Bloch, qui sont, comme vous allez le voir, si vous ne le connaissez pas déjà, un phénomène qui est vraiment assez superbe. Alors, je vais commencer par faire un bref bilan des cours précédents, essayer de mettre sur transparent les ingrédients dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, pour commencer, on s'était intéressé tout au début à un réseau optique stationnaire formé, donc, si je me mets à une dimension, par deux ondes progressives, les puissances IKX et puissances moins IKX, qui forment un potentiel en V0 sinus carré KX. Période lambda sur 2, donc petit a égale lambda sur 2, où lambda est donc la longueur d'onde de pi sur k associée à chacune des ondes. On avait résolu le problème aux valeurs propres pour cet hamiltonien. On avait trouvé que les fonctions propres se pouvaient se mettre sous la forme de fonctions de Bloch, à savoir une onde plane et puissance ix fois q, où q est donc appelé quasi-moment, fois une fonction périodique d'espace, unq, donc il y a la périodicité du réseau, petit a. Cette fonction de Bloch a comme énergie associée En de Q, et ce dont on peut se convaincre facilement, c'est qu'on peut restreindre la valeur de Q ici à un intervalle de longueur 2k, par exemple la première zone de Brillouin entre moins k et k, sachant que si je translate Q de 2k, eh bien, je retombe sur cette forme-ci avec une nouvelle fonction périodique. Donc, pour éviter le double comptage, pour compter deux fois les mêmes états propres, on restreint la valeur de Q à cette zone de Brillouin, moins kk. Les énergies, donc quand Q balaye cette zone de Brillouin, forment des bandes d'énergie. Si vous préférez, si je ne restreins pas Q à cette valeur-là, eh bien, En de Q est une fonction périodique de la variable Q de période 2k. Donc les énergies forment. Le spectre en énergie est constitué de bandes. Ici, vous avez la première bande, donc N égale 0, puis la seconde, la troisième, etc. Ça se trace pour V0 égale 4 énergies de recul, l'énergie de recul ER égale H bar 2 K2 sur 2M, étant l'énergie pertinente, l'échelle d'énergie pertinente pour ce problème, formée à partir de H bar K, l'impulsion d'un photon, et puis M, la masse d'un atome. Cette échelle d'énergie, c'est donc l'énergie qu'acquiert un atome, initialement au repos, quand il absorbe ou émet un seul photon. Alors, j'ai dit que pour éviter le double comptage, il fallait restreindre Q à un intervalle de largeur 2K, mais on a parfois intérêt à ne pas faire cette restriction, tout en gardant évidemment en tête l'identification Q et Q plus 2K. On a parfois intérêt à ne pas faire cette restriction, c'est-à-dire à adopter un schéma de zone répétée, c'est ce que j'ai écrit ici, où là je traçais donc les énergies EN de Q en fonction de R pour le même potentiel ici, mais en autorisant Q à varier entre moins l'infini et plus l'infini. Et à ce moment-là, donc, on retrouve cette périodicité des fonctions EN de Q avec le quasi-moment Q, périodicité donc de période 2k pour le problème qui nous intéresse. Voilà. Et vous verrez qu'aujourd'hui, on va jongler entre cette représentation-ci et cette représentation-là. Ça, c'était donc le problème d'un réseau indépendant du temps qu'on avait traité dans les tout premiers cours. La semaine dernière, on s'est posé le problème de réseau dépendant du temps. Donc, on prend deux ondes qui peuvent initialement avoir la même fréquence, même pulsation oméga, mais on autorise les phases φ1 et φ2 des deux ondes à dépendre du temps, ce qui fait que du coup les fréquences des deux ondes deviennent légèrement différentes et restent quand même très proches. Donc les vecteurs d'ondes peuvent, en bonne première approximation, on peut considérer qu'ils gardent la même valeur, mais les fréquences sont différentes via ce changement de phase, et ça fait que le potentiel, qui initialement était donc un potentiel statique dans le référentiel du laboratoire, sinus carré kx, devient cette fois-ci un potentiel dépendant du temps, avec donc les positions des nœuds et des ventres donc, qui sont repérées par disons, cette abscisse x0 de t qui peuvent varier en fonction du temps. On peut également, puisqu'on est dans les réseaux dépendants du temps, se dire qu'on va faire varier l'amplitude du réseau. Ça donne naissance, comme je l'ai dit la dernière fois, à des phénomènes intéressants. Ceci étant, pour simplifier le problème, on va oublier cette dépendance en temps de l'amplitude pour se concentrer sur une dépendance en temps simplement de la position des nœuds et des ventres du réseau. Et je vous rappelle qu'on avait, la dernière fois, identifié trois hamiltoniens équivalents pour décrire ce type de problème dépendant du temps. J'ai rappelé ces hamiltoniens au tableau, là, pour si vous en avez besoin pendant le cours.
mais je les ai mis sur cette diapositive-là. L'Hamiltonien dont on était parti est un Hamiltonien dont le sens physique n'est pas immédiat, c'est un Hamiltonien avec un potentiel vecteur dépendant du temps, et la dépendance temporelle est donc exclusivement dans ce potentiel vecteur A. Donc j'ai un Hamiltonien P-A au carré sur 2M, si vous voulez, ça revient à donner une charge fictive à l'atome, une charge égale à 1 par convention, donc P-A au carré sur 2M plus V2X. Et à partir de cet Hamiltonien, donc, comme j'ai dit, dont le sens physique n'est pas immédiat, on en avait déduit deux par transformation unitaire qui, eux, sont beaucoup plus simples à interpréter. Le premier, H1, c'est un Hamiltonien dans lequel j'ai l'énergie cinétique et le potentiel du réseau statique, auquel j'ajoute une force uniforme dans l'espace, mais dépendant du temps, donc un potentiel linéaire en x, moins f de tx. Et le deuxième Hamiltonien que j'avais déduit de ce H0 par une autre transformation unitaire U2, c'est un Hamiltonien précisément dans lequel j'ai un réseau dont la position des nœuds et des ventres dépend du temps via x0, c'est ce Hamiltonien p carré sous m plus v x moins x0. Et ces trois Hamiltoniens qui font donc intervenir trois fonctions dépendantes du temps, le potentiel vecteur a de t, f de t et x0 de t, sont équivalents, pourvu évidemment que les fonctions dépendantes du temps f, a et x0 soient reliées entre elles. Et plus précisément, on est conduit à prendre A de t égale mx0 point et f de t égale moins mx0 seconde. Alors, je vous avais donné une interprétation physique de cette transformation entre ces trois Hamiltoniens. Si j'ai effectivement un réseau qui bouge dans le référentiel du laboratoire, donc si dans le référentiel du laboratoire, que je vais supposer galiléen, j'ai un Hamiltonien qui est du type pk sous m plus v de x moins x0, donc l'Hamiltonien d'un potentiel périodique mais qui bouge en fonction du temps, eh bien, le passage H0 puis H1 correspond à un changement de référentiel. Ça correspond au changement de référentiel dans lequel je passe de l'Hamiltonien du laboratoire ici à l'Hamiltonien dans lequel le réseau est fixe, donc je passe dans le référentiel qui bouge avec le réseau, mais comme le réseau il a un mouvement a priori quelconque, le référentiel qui bouge avec le réseau n'est pas galiléen, donc j'ai une force d'inertie dans ce référentiel. Et la force F de T qui apparaît ici, ce n'est rien d'autre que la force d'inertie que j'ai quand je passe dans un référentiel accéléré. C'est donc ce moins mx0 seconde. Donc ça, c'est une interprétation physique simple de ce triplé d'Hamiltonien, passage de H2, référentiel du laboratoire, à H1, référentiel accéléré avec le réseau. Alors, ça, c'est une interprétation tout à fait légitime. Il y a néanmoins d'autres cas de figure dans lesquels on va rencontrer, par exemple, H1, c'est le cas où j'ai superposé à mon potentiel périodique créé par l'onde stationnaire lumineuse une vraie force constante. Si je prends par exemple un électron dans un cristal qui est soumis à un champ électrique, eh bien cet Hamiltonien-ci sera l'Hamiltonien de mon électron, V de X sera le potentiel périodique créé par le cristal, et cet terme additionnel moins F de Tx sera le champ électrique ce qui résulte du champ électrique, de la force créée par le champ électrique sur mon électron. Donc il n'y a pas une exclusive, cette force F de T n'est pas forcément une force d'inertie, ça peut être une vraie force entre guillemets, ça peut être donc le champ électrique sur un électron comme je viens de le dire, ça peut être si je prends un atome neutre la force de gravité, ça peut être un gradient de champ magnétique que je vais appliquer avec des bobines qui créent un champ magnétique, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, ce H1 de T là n'est pas restreint au référentiel accéléré. On peut aussi le trouver dans le référentiel du laboratoire, dans un référentiel galiléen, mais à ce moment-là, F de T est une vraie force, entre guillemets, créée par une source extérieure. Bien. Alors, dans la série des rappels, je vous indique quelque chose qu'on avait eu l'occasion de montrer la semaine dernière aussi, qui était la manière avec laquelle on va pouvoir chercher les solutions de l'équation de Schrödinger. Et cette manière va changer selon que je considère H0 et H2 d'une part, ou alors H1 d'autre part. Si je prends H0 ou H2, ces deux Hamiltoniens ici sont tous les deux périodiques d'espace. Ils restent périodiques d'espace en dépit de la dépendance en temps, soit du potentiel vecteur, soit de l'abscisse des nœuds et des ventres de mon réseau. Du coup, comme l'Hamiltonien est périodique d'espace, il commute à chaque instant avec l'opérateur d'évolution, et par conséquent, on peut montrer que la forme de bloc est conservée. Si je pars à l'instant t égale 0 d'une fonction d'onde qui a une forme de bloc, à savoir cette onde plane et puissance xq fois une fonction périodique d'espace, eh bien je suis sûr qu'à l'instant t, j'aurai une forme de bloc encore, c'est-à-dire toujours une onde plane, toujours multipliée par une fonction périodique d'espace, et cette onde plane ici correspondra au même quasi-moment q que le quasi-moment initial.
Donc Q de t égale Q de 0. Évidemment, à ce stade, je ne peux rien dire sur la fonction périodique d'espace, mais je sais que la forme de bloc est préservée avec le même quasi-moment. Ça, c'est vrai donc pour H0 et c'est vrai pour H2. Pour H1, il n'y a pas de raison que ce soit vrai, puisque H1, lui, n'est pas invariant par translation par période du réseau, à cause de cette force uniforme. Là, je brise l'invariance par translation. Mais néanmoins, comme je sais que H1, je peux le déduire par transformation unitaire de H0, eh bien, ce que je connais pour H0, je peux voir comment ça se transpose pour H1, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et ça se transpose de manière finalement presque aussi agréable que ce que j'ai pour H0 et H2, puisque ce qu'on a pour H1, c'est, là encore, on préserve la forme de bloc, c'est-à-dire que si je pars de onde plane fois fonction périodique, je garde onde plane fois fonction périodique. Simplement, le quasi-moment pour l'onde plane, cette fois-ci, va dépendre du temps. Ce quasi-moment Q de t qu'on avait établi ensemble, il devient à l'instant t, donc Q de 0 plus l'intégrale sur le temps de la force f de t' dt', la force qui intervient ici, divisée par h bar. Donc si vous voulez, dans ce point de vue H1, le quasi-moment intègre la force entre l'instant de départ, 0, et l'instant t auquel je regarde ma fonction d'onde. Voilà. Mais cette préservation de la forme de bloc reste vraie. Alors, ceci étant dit, je peux maintenant passer au cœur du problème d'aujourd'hui, qui est les oscillations de bloc. Les oscillations de bloc, donc, en fait, sont apparues dans un problème posé par Zener en 1934, j'en dirai un mot dans quelques minutes. L'idée de Zener, c'était de regarder la chose suivante, c'était de se dire, je mets des électrons dans un cristal, donc des électrons de conduction, je place ce cristal dans un champ électrique uniforme, et je me demande avec quel champ est-ce que j'ai une probabilité de claquage importante, c'est-à-dire avec quel champ je vais pouvoir arracher des électrons de la bande de conduction et puis éventuellement les faire partir, les accélérer beaucoup. Une contrepartie, ou enfin une transposition directe de ça avec nos atomes froids, c'est de se dire, eh bien, je mets des atomes dans un réseau vertical et puis je me demande ce que fait la gravité sur mes atomes. Est-ce que la gravité les accélère et les fait tomber ou non ? Et le résultat est une des choses les plus contre-intuitives que je connaisse en mécanique quantique à une particule. C'est, bon, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la chose suivante. C'est que quand je prends des particules dans un potentiel périodique et que j'applique une force constante, eh bien, les particules, si la force n'est pas trop grande, les particules ne sont pas accélérées par cette force indéfiniment. On pourrait se dire qu'elles vont être accélérées avec une masse qui sera un peu différente de la masse nue. Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que les particules se mettent à osciller dans l'espace, comme ça, faire des allers-retours. Alors, je dis que c'est très contre-intuitif parce que ça ne correspond absolument pas à ce qu'on observe quand on prend un fil de cuivre et qu'on le branche aux bornes d'une pile de 4,5 V. Quand on prend un fil de cuivre et qu'on le branche aux piles de 4,5 V, on a effectivement cette situation où je mets un champ électrique uniforme sur le fil, enfin, au moins si ma borne plus ici, ma borne moins là, et puis mon fil est tendu. Je sais que j'observe un courant, donc j'observe les électrons qui partent du moins pour aller vers le plus. Et ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, si je mets un cristal de cuivre parfait entre une borne plus et une borne moins, eh bien, les électrons vont osciller comme ça. Donc, ce que prédit la mécanique quantique dans sa version la plus simple, à savoir un réseau cristallin parfait, c'est qu'une tension continue doit produire un courant alternatif. Alors, c'est contre-intuitif et ce n'est pas ce qu'on observe. Ce n'est pas ce qu'on observe parce qu'évidemment, le fil de cuivre que j'utilise dans la vie de tous les jours n'est pas un cristal parfait. C'est une juxtaposition de tout petits cristaux avec plein de désordres. Et du coup, on récupère la loi d'Ohm dans la vie de tous les jours. Mais si nos fils de cuivre étaient parfaits, eh bien, on n'aurait pas de conduction électrique. On n'aurait pas de conduction électrique continue quand on applique une différence de potentiel continue. Donc, finalement, ça a du bon le désordre puisque ça nous permet d'avoir des courants qui circulent dans nos téléphones portables. Mais néanmoins, ce phénomène, il est bien là, à la base de la physique quantique, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est comment comprendre, de différentes manières, comment utiliser le fait qu'une différence de potentiel continue aux bornes d'un cristal parfait fait osciller les particules au lieu de les accélérer. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ça ? Ben, je vais essentiellement me concentrer sur les Hamiltoniens de type H1, c'est-à-dire les Hamiltoniens avec cette force ici, grand F, et on va s'intéresser dans tout ce cours au cas où la force que j'avais appelée F de t, qui est encore écrite là-bas, c'est un peu sombre, mais je pense que vous arrivez quand même à lire, la force qui est écrite F de t là-bas est indépendante du temps. Et donc la question qu'on va se poser, c'est finalement comment est-ce que, il faut que je sorte un papier là, comment est-ce que le fait que la force ne dépend pas du temps
va nous changer nos théorèmes, si vous voulez, nos constatations qu'on avait faites dans le cas général. C'est-à-dire comment est-ce que la relation générale qui est écrite ici, où Q de t intègre la force entre l'instant 0 et l'instant t, comment est-ce que cette relation générale, ce théorème, se simplifie dans le cas où la force grand F est indépendante du temps, où je mets un champ électrique uniforme ici, ou la gravité là. Alors, là, je vais passer au tableau. Et il me faut de la craie qui doit être là-bas. Je vais passer au tableau simplement pour écrire quelques équations qui vont revenir régulièrement dans ce cours. Donc, comme ça, on les aura toutes sous les yeux. Donc, ce que j'aimerais, le concept que j'aimerais mettre au tableau ici, c'est ce qu'on appelle le défilement du quasi-moment. Et donc, simplement le fait que si je prends cette équation-ci, Q de t égale Q initial plus une force, l'intégrale d'une force, mais que cette force est constante, eh bien, j'ai simplement Q de t égale Q initial plus F t sur H bar. Donc, dans ce schéma où j'ai une force qui est constante, le quasi-moment va défiler de manière continue, constante, à l'intérieur de ma zone de Brillouin. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Q et Q plus 2H bar K correspondaient en fait à la même situation physique, au même quasi-moment, eh bien, on voit tout de suite apparaître un temps caractéristique, que je vais appeler tau B, qui est le temps pour passer, avec ce défilement linéaire, de Q à Q plus H bar K. Donc je traduis le temps tau B tel que F tau B sur H bar... Pardon, il n'y a pas de H bar ici, excusez-moi. Le quasi-moment est à la dimension d'un vecteur d'onde, donc c'est Q plus 2K. Donc ça égale 2K. Donc le temps tau B que j'introduis, c'est 2 fois H bar K sur grand F. Voilà. Ce temps tau B, à ce temps tau B, je peux associer également une énergie. Donc je vérifie que je l'écris bien comme je veux. Donc j'associe également une énergie qui est donc H bar que j'appelle h bar oméga b. Oméga b sera donc la pulsation associée au temps tau b. Donc c'est h bar fois 2 pi sur tau b. C'est donc, si je l'écris, h bar sur 2 pi fois, donc tau b c'est 2 h bar k, fois grand F. Alors, les h bar s'en vont, les 2 s'en vont, il va me rester pi sur k, mais pi sur k c'est simplement la période de mon réseau, donc ça va être égal à grand A fois grand F. Alors, je peux faire tout un petit dessin pour mettre tout ça en place. Donc, je suis parti d'un réseau qui était donc un réseau périodique V de X, en sinus carré Kx, et puis j'ai rajouté une force constante. Donc, mon réseau, quand je superpose une sinusoïde et une force constante, j'ai quelque chose qui est comme ça. Voilà. Donc là, je trace en fonction de x le potentiel ici, qui est donc v de x, donc moins fx. J'ai pris ici une force f positive. Ce que j'ai écrit ici, le h bar oméga b, c'est petit a fois f. Petit a, c'est la période du réseau, c'est cette distance-ci. Donc, le h bar oméga b que j'ai sorti, là, ce que j'ai appelé énergie caractéristique du problème, finalement, comme tau b était le temps caractéristique, eh bien, ce h bar oméga b, c'est simplement la différence d'énergie entre deux minima successifs du potentiel. Voilà. Donc ça, ça va être ce temps tau b et cette pulsation, c'est des choses qui vont revenir très fréquemment. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire de ma solution dépendante du temps? Donc si je pars de l'instant t égale 0 d'une onde psi à l'instant t égale 0 qui a une forme d'onde de bloc, donc qui est du type e puissance i, x, q in fois une certaine fonction périodique u de x et de 0, eh bien ce que je sais c'est donc que cette forme de bloc va être préservée moyennant le défilement du quasi-moment ici. Et donc en particulier, si je vais chercher un psi de x à l'instant tau b, eh bien, je vais avoir e puissance i, x, q in.
le quasi-moment sera passé de Qin au bout du temps tombé à Qin plus 2k. Donc je vais ici mettre puissance 2i kx, il ne faut pas que je mette 2 fois i, 2kx fois u, un certain u de x et de t. Et cette chose-là, c'est de nouveau une fonction périodique d'espace, hein, u de x et de t est périodique d'espace, et puissance 2i kx est également périodique d'espace, donc là j'ai de nouveau une fonction périodique d'espace, donc la question finalement c'est que vaut cette chose-là? Je sais qu'au bout d'un temps tombé, je suis retombé sur le même quasi-moment, mais ce qui va nous occuper maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive à la partie périodique. Et ce qui arrive à la partie périodique, eh bien, pour ça, il faut résoudre donc, l'équation du moment de u de x, et ça, je vous l'avais écrite là, il y a quelques cours, donc je la réécris, la manière dont je vais résoudre l'évolution de cette partie périodique. Hein. IH bar du sur dt, on avait dit que ça va évoluer sous la forme h périodique pour la fonction u, et l'hamiltonien h périodique, donc celui qui fait évoluer la fonction u, c'était p, alors que j'ai toujours peur de me tromper dans les signes, p plus h bar q au carré sur 2m plus v de x. Voilà, je pense ne pas m'être trompé. H périodique est donc... c'est une fonction, en fait, de Q. Et Q, ici, là-dedans, défile selon la loi qui est écrite là. Donc, on a un hamiltonien qui dépend du temps par rapport à la fonction petit Q. Et il s'agit de résoudre cette équation-là pour comprendre ce qui se passe dans le problème. Voilà. Donc là, j'ai écrit ça au tableau. Comme ça, je pourrais me référer à ces notations. Alors, on va tout de suite introduire une approximation que je justifierai après, qui est l'approximation adiabatique. Sur la manière avec laquelle on va résoudre cette équation pour U, eh bien, on va supposer qu'on part initialement d'une bande d'énergie, donc le petit u que j'ai écrit ici, ce sera le U indice n correspondant à une bande, prenons par exemple la bande n égale 0 sur ce schéma, et on va supposer que lors de l'évolution sous l'effet de l'hamiltonien H périodique, je vais peut-être lever ça un petit peu pour que tout le monde puisse le voir, puis je vais lever plus l'autre. Voilà. Donc je vais supposer que lors de l'évolution sous l'effet de H périodique, eh bien je reste dans la bande fondamentale. C'est donc une approximation adiabatique sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Donc à l'instant initial, je pars, comme je l'ai dit, d'un psi n q initial, donc ix q initial, un q initial de x, et je suppose que je reste dans la bande fondamentale, donc là, j'ai réécrit le défilement du quasi-moment que j'ai écrit au tableau ici, q de t égale qin plus ft, et je suppose qu'à chaque instant, je reste dans l'état associé à la bande n, donc u indice n de q de t. Et donc, en particulier, au bout d'une période de bloc taubé, le temps taubé que j'ai introduit là-haut, eh bien, je sais que je vais retomber finalement sur la même fonction que celle dont je suis parti, puisque j'ai le même quasi-moment, ça c'est le résultat général, et puis si je suis adiabatiquement la bande fondamentale, eh bien je suis également dans la même partie périodique un, simplement c'est pas une égalité, c'est-à-dire psi de x taux b n'est pas égal à psi de x0, c'est une proportionnalité parce que je peux avoir une phase complémentaire qui est venue s'introduire. Alors cette phase, elle peut avoir deux origines, elle peut avoir une origine dynamique, c'est simplement l'évolution en puissance moins iet sur h bar où e est l'énergie, l'évolution habituelle en mécanique quantique. Il y a également un aspect géométrique dans cette phase. L'aspect géométrique a été découvert par Zach dans les années 80. C'est donc ce qu'on appelle la phase de Zach. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette phase de Zach cette année, puisque le cours entier de l'année prochaine sera consacré aux phases géométriques, au magnétisme artificiel. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces phases géométriques, et en particulier la phase de Zach l'an prochain. Je signalerai simplement qu'elle a été vue, cette phase de Zach, dans des expériences très récentes faites dans le groupe d'Emmanuel Bloch à Munich, où ils ont pu mettre en évidence qu'effectivement, quand la fonction d'onde défilait comme ça sur une zone entière, sur un segment entier de cet axe de Q, eh bien, ils ont pu voir qu'il y avait, en plus de la phase dynamique, une phase géométrique qui apparaissait et qui était conforme à la prédiction faite par Zach dans les années 80. Voilà. Donc, pour le moment, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas se préoccuper de la phase, on va prendre la relation de proportionnalité ici, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, j'ai dit que le premier à poser ce problème, c'était Zener en 1934, et c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'on parle toujours d'oscillation de Bloch
alors que dans le papier séminal de Bloch, dans lequel ils introduisaient toutes ces fonctions et cette notion de physique des solides, ils ne parlent pas du tout d'oscillation. On devrait plutôt parler d'oscillation de Zener. C'est vraiment Zener qui s'est posé le problème de cette particule chargée dans un potentiel périodique plus une force constante. Et Zener, comme j'ai dit, il s'intéressait au claquage des électrons dans ce champ électrique. Et Zener faisait en particulier un petit dessin ici qui était, qui à première vue, surprenant, audacieux, disons. Ce petit dessin représente la chose suivante. Ça, c'est vraiment tiré de l'article de Zener initial. Donc, vous prenez une particule en potentiel périodique, donc vous avez ces bandes d'énergie autorisées, donc une bande fondamentale, une bande de conduction, disons, de largeur delta E, séparée de la bande supérieure par une zone interdite, un gap. Et Zener faisait un dessin dans lequel il traçait en fonction de X l'énergie locale de la particule en potentiel périodique. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est quand même pas très orthodoxe, puisque ça mélangeait l'aspect position ici avec la notion de bande qui est plutôt dans l'espace réciproque, dans l'espace des impulsions. Alors, bon, on va essayer de donner un sens plus rigoureux à ce dessin de Zener, mais en tout état de cause, ce que faisait Zener, c'était la chose suivante. Il disait, bah, très bien, donc j'ai des bandes qui sont tiltées comme ça, en fonction de X, je trace mon énergie, donc j'ai une particule qui part d'ici, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va être accélérée, elle va aller taper sur cet endroit-là, et puis il y a une chose qui n'est pas intéressante, c'est quand elle fait demi-tour et qu'elle repart, c'est le phénomène d'oscillation, et puis la chose intéressante qui m'intéresse, c'est le claquage, c'est quand la particule passe à travers la zone interdite et puis est accélérée comme ça, et c'est là que le claquage se produit. Donc, c'est assez, là encore, un deuxième paradoxe, non seulement c'est pas Bloch qui a trouvé les oscillations de Bloch, c'est Zener, mais en plus Zener trouvait ça, le phénomène d'oscillation lui-même, très banal, c'est-à-dire que c'est pas ça qui l'intéressait, ce qui l'intéressait c'était vraiment quand l'oscillation ne se produisait pas, quand la particule changeait de bande et est passée ici. Mais le suivi adiabatique de la particule, c'est-à-dire le fait que la particule pouvait rebondir ici et puis osciller comme ça, ce qui est le phénomène d'oscillation que je montrais à la diapositive précédente, ça, pour Zener, ce n'était pas vraiment très intéressant. Voilà, donc, ceci étant dit, donc, nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est ce phénomène d'oscillation ici. On reviendra sur l'approximation adiabatique après. Et il y a une chose qui sort dans le raisonnement de Zener, qu'on va essayer de retrouver de manière plus rigoureuse, en particulier, c'est de combien est-ce que les particules oscillent dans l'espace réel. Je vous ai dit qu'elle décrivait donc, la zone de Brillouin en un temps tau b qui est écrit encore là-haut, 2h bar k sur f, mais on peut se demander de combien est-ce qu'elles oscillent dans l'espace réel quand elles font ça. Et bien, la réponse, au moins dans le cadre du raisonnement de Zener, se lit là-dessus. J'ai ici une bande qui a une largeur delta E, j'ai une droite, enfin mes droites ont toute une pente f, la force constante que j'ai appliquée. Donc la distance sur laquelle les particules oscillent, c'est la distance b moins xa ici, c'est simplement delta E divisé par la force. Voilà, donc ça, c'est l'amplitude de l'oscillation dans l'espace réel. Et on va revenir là-dessus en détail pour donner des ordres de grandeur. Première chose que j'aimerais faire, c'est justifier ce résultat de Zener et justifier aussi le raisonnement. Alors pour ça, le plus simple, c'est de raisonner en termes de paquets d'ondes, faire un raisonnement de type semi-classique, raisonner en termes de paquets d'ondes et introduire la notion de vitesse de groupe et de déplacement donc de paquets d'ondes. La vitesse de groupe, c'est quelque chose que je voulais expliquer dans un des tout premiers cours, et puis je n'avais pas eu le temps de le faire, donc là, ça va être l'occasion de revenir dessus. La vitesse de groupe, on la définit de la manière suivante. On prend une bande d'énergie En, et on va définir une vitesse de groupe associée à cette bande d'énergie En, et associée à un quasi-moment particulier de la zone de Brillouin. Donc on prend En, on prend la dérivée par rapport à Q de En, on divise par H bar, on a quelque chose qui est bien homogène à une vitesse, et ça, eh bien, je prétends que c'est la vitesse à laquelle se déplace un paquet d'ondes de quasi-moment Q0 s'il est préparé dans la bande N. Alors, je vais quand même faire la démonstration. C'est quelque chose qui est bien connu pour des ondes dans des milieux dispersifs. Dans le cas du réseau périodique, ce n'est pas complètement trivial et j'ai trouvé dans les livres des démonstrations qui étaient quand même assez olé-olé, si je puis dire, de cette notion de vitesse de groupe. Donc, j'ai écrit quelques équations qui me semblent être, elles, pas trop sujettes à discussion. Donc voilà comment est-ce qu'on peut trouver cette vitesse de groupe dans un réseau. Je prépare donc une particule dans un paquet d'ondes associé à la bande N. Donc je superpose des ondes de Bloch, psi nq, avec toutes les mêmes N, mais différents quasi-moments Q, avec des amplitudes C de Q. À l'instant T, là il n'y a pas de mystère, je n'ai pas mis de force extérieure grand F pour le moment, donc mon réseau est simplement le potentiel sinus carré Kx, si vous voulez. Donc à l'instant T, simplement, j'affecte chacun des termes de l'intégrale, du terme puissance moins i e n q t sur h bar,
c'est l'évolution habituelle en physique quantique, rien de surprenant. Ensuite, supposons que ce paquet d'ondes que j'ai choisi soit centré en Q0 avec une relation, avec une dispersion delta Q très petite devant K. Donc là-dedans, le NQ, je peux le développer en puissance de Q moins Q0, et si je me limite à l'ordre 1, j'ai donc ENQ0, c'est le centre, plus le terminaire en Q moins Q0, DEN sur DQ, mais comme DEN sur DQ, c'est proportionnel à la vitesse de groupe, ça je peux l'écrire EN de Q0, H bar Q moins Q0 fois la vitesse de groupe. Alors là-dedans, j'ai des choses qui dépendent de Q, c'est essentiellement H bar Q fois la vitesse de groupe, et puis j'ai des choses qui ne dépendent pas de Q, le N de Q0, le H bar Q0 ici. Alors tout ce qui ne dépend pas de Q0, je le sors de l'intégrale, hein, puisque si ça ne dépend pas de Q0, je peux le sortir de l'intégrale qui est ici, donc c'est pour ça que je mets un proportionnel A, et finalement tout ce qui me reste ici, c'est ce terme linéaire en Q ici, moins IQ, vitesse de groupe fois T. Et maintenant, le dernier ingrédient pour comprendre que effectivement mon paquet d'ondes se propage bien à la vitesse de groupe, c'est de se dire, je vais regarder des temps, mais des temps bien choisis. C'est ce que j'avais appelé la semaine dernière faire une stroboscopie du mouvement des atomes dans le réseau. Quelqu'un dans l'audience m'a fait remarquer qu'on pourrait plutôt dire échantillonnage. Donc disons que je fais un échantillonnage du moment où je regarde ma particule, et là je vais regarder à l'instant t égale 0. Supposons que je regarde à un temps t, tel que la vitesse de groupe fois t égale petit a. Donc, si la vitesse de groupe est bien ce que j'attends, je m'attends à ce que ma particule soit déplacée d'une longueur petit a quand je l'échantillonne à l'instant t défini de cette manière-là. Alors, est-ce que c'est bien vrai, ça? Eh bien, la réponse est oui, parce que si je prends vitesse de groupe fois t égale petit a, ici, le terme dans l'exponentielle, ça va simplement être puissance moins qa, fois donc psi nq de x, et ça, par la définition même d'une onde de Bloch, c'est égal à psi nq de x moins a, quel que soit q. Donc pour tous les q de l'intégrale qui sont écrits ici, qui est écrite ici, eh bien je peux faire cette substitution, remplacer le terme exponentiel ici par un décalage de la fonction x, et donc du coup, puisque j'ai le droit de le faire pour tous les q, je tiens que psi de x et de t, c'est psi de x moins a à l'instant 0. Donc j'obtiens bien effectivement que ma fonction d'onde, si je l'échantillonne tous les temps t multiples de a sur la vitesse de groupe, eh bien je vais trouver le paquet d'ondes ici, puis le paquet d'ondes là, puis le paquet d'ondes là, tout se passe comme si ce paquet d'ondes propageait effectivement à la vitesse de groupe. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un raisonnement qui tient la route, j'espère. Et ça, maintenant, eh bien, on va essayer de le transposer au cas où j'ai en plus cette force F de T qui cherche à accélérer mes particules. Donc quand je mets cette force, eh bien, j'ai mon quasi-moment qui défile, c'est ce que j'ai écrit au tableau ici, c'est ce que j'ai réécrit là, Q de T égale Q initial plus FT sur H bar. Donc la vitesse de groupe elle-même va défiler. Si ma particule décrit cette zone de Brillouin ici, eh bien dans cette partie-ci, vous voyez que l'énergie décroît avec Q, donc la vitesse de groupe est négative. Dans cette partie-là, l'énergie augmente avec Q, donc la vitesse de groupe est positive. Ma vitesse de groupe va défiler, Vg de Q devient Vg de Q de T. Et donc si maintenant je fais ce raisonnement semi-classique, sur lequel on pourrait essayer de le rendre rigoureux en mettant des infiniment petits, mais là, à ce stade, je veux simplement donner l'indication la démarche à suivre pour retrouver le résultat de Zener, eh bien, le centre du paquet d'ondes, dx bar sur dt, qui évolue donc à la vitesse de groupe, au moins si je l'échantillonne, comme je le disais, eh bien, cette vitesse de groupe, c'est 1 sur h bar, comme on l'a défini, dn sur dq. Donc ça me donne l'évolution, l'équation d'évolution pour le centre du paquet d'ondes. Et si je complète ça maintenant, si j'intègre ça, entre l'instant 0 et l'instant t, j'ai donc x bar de t moins x bar de 0, qui est l'intégrale de cette chose-ci. C'est une intégrale sur le temps, mais q varie linéairement avec le temps, donc l'intégrale fois dt, je peux remplacer ça par un dq, et donc je récupère l'intégrale de q initial à q de t, de dnq, de 2n sur dq, et ça, évidemment, c'est trivial à intégrer, et je trouve simplement que x bar de t moins x bar de 0, c'est 1 sur la force que multiplie la différence d'énergie entre le quasi-moment à l'instant t, q bar de t, et puis le quasi-moment initial. Et ça, c'est identique à la prédiction de Zener, se trouve bien que l'étendue totale de l'oscillation, c'est donc la largeur de bande, la valeur minimale ou la valeur maximale de ça, divisée par la force. Alors ça, c'est un raisonnement semi-classique, hein, j'insiste bien là-dessus, qui n'est valable que si j'ai effectivement préparé un paquet d'ondes qui était bien localisé dans l'espace dq, donc il faut un delta qin qui est petit devant pi sur a, et donc en particulier, à cause d'Heisenberg, il me faut un delta x initial qui est grand devant petit a. Il faut peupler simultanément beaucoup de sites du réseau pour fabriquer ce paquet d'ondes et pouvoir appliquer le raisonnement que j'ai écrit ici.
Alors, on a également une interprétation en termes de photons de cette oscillation de Bloch, qui est très commode. Donc ça, c'est complètement différent de ce que Zener a pu avoir en tête. Là, je me souviens maintenant que l'onde stationnaire vue par mes atomes est créée par deux ondes progressives, une qui a une impulsion K et l'autre qui a une impulsion moins K. Et quand je place donc ma particule, et que je la soumets à une force grand F, que va-t-il se passer ? Eh bien, je fais une image perturbative de l'interaction atome-lumière, et je veux dire que la plupart du temps, l'atome ne voit pas de lumière, sauf si des transitions résonantes peuvent se produire. Donc, en règle générale, l'atome ne voit pas la lumière. Donc, si je prépare un atome d'impulsion P ici, eh bien, il va simplement être accéléré selon la loi habituelle, P point égale F. Donc, l'impulsion va croître linéairement avec le temps jusqu'à ce que j'atteigne une impulsion où une transition résonante peut se produire. Et la transition résonante qui peut se produire, si je prends une particule dont l'impulsion initiale est entre moins h bar k et plus h bar k, et la transition résonante qui peut se produire, c'est une transition qu'on a déjà regardée ensemble il y a un certain temps, c'est une transition de Bragg, où l'atome passe de P égale plus h bar k à P égale moins h bar k, donc l'énergie est conservée, et ça se produit via une absorption d'un photon dans une onde, émission stimulée dans l'autre onde, donc ça transfère à l'atome l'impulsion moins 2h bar k. Donc l'oscillation de Bloch dans ce schéma de pensée, qui est tout aussi légitime que le schéma en termes de paquet d'ondes avant, hein, simplement il est légitime si j'ai cette image, si l'image perturbative est correcte, eh bien c'est donc l'atome qui parcourt la zone de Brillouin entre moins h bar k et plus h bar k ici de manière libre, et puis ici il subit cette réflexion de Bragg qu'il remet à moins h bar k et il recommence. Et voilà, donc l'oscillation de Bloch c'est simplement ça dans cette image perturbative. Et on peut généraliser cette image aux bandes supérieures. Si au lieu de préparer mon atome avec une impulsion entre moins h bar k et plus h bar k, si je le prépare, disons ici, avec une impulsion entre moins 2 et moins 1, h bar k, eh bien l'atome va commencer par être accéléré. Là, il va pouvoir subir une transition multiphotonique, enfin à deux photons, qui est juste la transition inverse de celle-ci, absorption, émission stimulée, qu'il porte à P égale plus h bar k. Là, il continue à être accéléré. Et ici, il peut de nouveau, en P égale plus 2 d'h bar k, subir une transition multiphotonique qui le ramène à moins 2. Ça, c'est une transition d'ordre plus élevé. J'ai deux émissions stimulées qui me font passer de plus 2 à moins 2, etc. Et l'oscillation de Bloch, à ce moment-là, c'est ce processus-là. Voilà, donc on peut avoir les deux images en tête. Bien, alors après cette présentation du mécanisme lui-même, je voudrais passer aux observations expérimentales. Les premières observations n'ont pas été faites avec des atomes froids, elles ont été faites avec des électrons, pas dans des potentiels cristallins ordinaires, mais dans des super-réseaux. Et là, je ne vais pas les décrire, ces expériences-ci, il y a un très bon article de revue de Mendez et Bastard qui décrit ça, donc j'ai cité en référence dans les notes. Avec des atomes froids, les premières expériences ont été faites dans les années 95-97, c'est des expériences pré-condensat de Bose-Einstein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des expériences faites avec des atomes refroidis par évaporation, c'était simplement des atomes refroidis par laser de manière ordinaire, si je puis dire. Ces expériences ont été faites initialement dans le groupe de Mark Reisen à Austin, Texas, et dans le groupe de Christophe Salomon à Paris. Et ce sont des expériences dans lesquelles on avait un réseau accéléré. Donc la force F de T dans ces expériences, c'était une force d'inertie. On verra tout à l'heure cette expérience où la force est une force, la force de gravitation, une vraie force, comme je l'ai appelée. Mais là, c'est une force d'inertie. Donc on prépare un réseau accéléré dans le référentiel du laboratoire en prenant pour l'onde de gauche une phase phi1 qui va croître quadratiquement avec le temps, une phase phi2 qui va décroître quadratiquement avec le temps. Donc, si vous voulez, vous avez des pulsations instantanées pour ces ondes, oméga 1 et oméga 2, qui sont oméga plus la dérivée par rapport au temps de la phase, donc des pulsations instantanées qui croissent, elles, linéairement avec le temps, ou qui décroissent linéairement. Selon que je prends oméga 1 ou oméga 2, j'ai oméga plus gamma t, k gamma t, ou oméga moins k gamma t. Gamma, ici, a la dimension d'une accélération. Et quand on superpose ces deux ondes, c'est assez simple de voir que la position des nœuds de l'onde stationnaire est accélérée précisément avec cette accélération gamma. Alors les deux expériences ici sont faites vraiment en parallèle. Les expériences de Paris étaient faites avec des atomes lourds, des atomes de césium et des petites accélérations entre 1 et 30 mètres par seconde carré. Les expériences d'Austin étaient faites avec des atomes plus légers de sodium et faites avec des accélérations qui atteignaient le millier de mètres par seconde carré. Je vais décrire surtout les expériences de Paris dans ce qui va suivre, pas seulement par chauvinisme, mais parce que le point adopté par Christophe Salomon et son équipe était vraiment le point
le point de vue oscillation de bloc. Les expériences d'Hostile étaient plus dans un mode de pensée échelle de Van Jeschtark, dont je parlerai la semaine prochaine. Donc je vais me concentrer essentiellement sur l'expérience de Paris, au moins cette semaine. Alors voilà le premier résultat, je dirais le plus emblématique des expériences qui avaient été faites à l'époque, où là on voit de manière superbe le phénomène d'oscillation de bloc tel que je l'ai décrit jusqu'à maintenant. Donc vous avez des atomes, qui sont des atomes de césium, comme je l'ai dit, qui vont être soumis au champ potentiel d'un réseau optique, qui est un réseau dont le pas est de 425 nanomètres, c'est-à-dire que la longueur d'onde est de 850 nanomètres, quasiment résonante avec les atomes de césium. Et ces atomes sont en plus soumis donc à une force d'inertie F égale moins M gamma. Et là, ce qu'on a tracé, c'est la distribution d'impulsion des atomes dans le référentiel du réseau, donc dans le référentiel accéléré. L'accélération qui est prise ici est de l'ordre du mètre par seconde carré, et le réseau avait une profondeur de quelques énergies de recul. La période de bloc, tau B, celle que j'ai définie ici au tableau, 2h bar k sur F, eh bien, elle vaut, si vous la calculez, 8 millisecondes à peu près. Donc vous avez initialement une distribution d'impulsion, à l'instant 0, le réseau est encore immobile dans le référentiel du laboratoire, vous avez une distribution d'impulsion des atomes qui est subrecul, comme on dit, c'est-à-dire que la largeur de cette distribution est plus petite que h bar k, l'impulsion d'un photon. Ça, c'est obtenu grâce à des méthodes de refroidissement par laser, hein, j'insiste bien, il n'y avait pas de condensat à l'époque, pas de refroidissement par évaporation dans ce laboratoire. Néanmoins, avec le refroidissement par laser, on arrive à faire des petites distributions d'impulsion. Ici, c'était de l'ordre de h bar k sur 4. Le réseau est donc accéléré, et ce qu'on voit, eh bien, c'est d'abord que les atomes sont accélérés, donc leur vitesse dans le référentiel du réseau augmente, jusqu'à ce que le pic de vitesse devienne de l'ordre de h bar k, ce qui correspond à atteindre le bord de la zone de Brillouin. Et là, eh bien, on voit le phénomène de réflexion de Bragg se produire, c'est-à-dire que le pic à h bar k diminue, un pic à moins h bar k apparaît, et après donc, cette réflexion, eh bien, on se retrouve simplement avec pic à moins h bar k qui est de nouveau accéléré. Et au bout d'un temps tau B, ici, eh bien, on est retombé sur la fonction initiale, ou au moins sur la distribution de probabilité initiale. Évidemment, on ne mesure pas la phase ici, donc on voit que le module carré est le même. Donc on a bien, au niveau des distributions de probabilité, un phénomène périodique entre t égale 0 et donc t égale tau B. Ça prouve vraiment, de manière éclatante, ce phénomène d'oscillation prédit par Zener. Alors, il y a plusieurs courbes qu'on peut tracer à partir de ça. Une chose qu'on peut faire, c'est calculer la vitesse atomique moyenne. Donc, si je reviens juste un cran en arrière, si je prends cette distribution-ci, par exemple, je peux calculer la vitesse moyenne, pareil ici. Au moment de la réflexion, la vitesse moyenne sera nulle, etc. Donc, on peut calculer la vitesse moyenne, le centre de gravité, si vous voulez, de chacune de ces distributions, et puis le tracer en fonction du temps. Donc là, vous avez cette vitesse moyenne, donc en unité de recul, donc entre le recul, c'est h bar k sur m, hein, ici, donc quand la vitesse est égale à la vitesse de recul, ça veut dire que l'impulsion est égale à h bar k, vous avez cette vitesse moyenne tracée pour différentes valeurs du réseau, des petites valeurs, ici, de l'ordre d'un recul, et ici, des valeurs nettement plus grandes, de l'ordre de 4 énergies de recul pour le réseau. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que pour les petites valeurs, on a une évolution de la vitesse en fonction du temps. Ici, c'est le temps compté en période de bloc, en demi-période de bloc, d'ailleurs, pour être précis. Donc on voit ici une variation très asymétrique, des parties quasiment linéaires ici, puis un saut brutal, et puis de nouveau des parties linéaires. Là, on voit une variation qui est beaucoup plus proche d'une sinusoïde. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien oui, on peut l'expliquer très simplement, en se revenant à la notion de vitesse de groupe que je présentais tout à l'heure. Ici, quand le réseau V0 est de l'ordre de l'énergie de recul, eh bien, on est quasiment dans un modèle de liaison faible. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'énergie de la bande fondamentale qui est occupée par les atomes N2Q, c'est pratiquement l'énergie d'une particule libre, H bar 2Q2 sur 2M. Donc, quand je vais calculer ma vitesse de groupe ici, je vais dériver ça par rapport à Q, donc je vais trouver une vitesse linéaire en Q. Mais comme Q lui-même est linéaire en temps, eh bien, je m'attends à ce que la vitesse de groupe soit linéaire en temps, et c'est effectivement ce que je trouve sur ce segment-ci. Et puis ça, c'est vrai jusqu'à ce que j'atteigne le bord de bande, parce que quand même, cette relation-là n'est pas valable tout le temps, il y a quand même un réseau qui est présent, donc au bord de bande, quand Q égale plus ou moins K, cette relation-là ne tient pas, et c'est là que l'atome fait demi-tour, si vous voulez, et voilà, la vitesse saute ici,
et l'atome repart pour une nouvelle oscillation comme ceci. Dans le régime des liaisons fortes, quand V0 est grand devant ER, là on avait vu il y a quelques semaines que l'énergie en fonction de Q peut être mise sous une forme sinusoïdale. Grand J, c'est le coefficient tunnel pour sauter d'un site à l'autre, moins 2J cosinus AQ. Donc à ce moment-là, quand je prends la dérivée par rapport à Q de ça, quand je vais obtenir sinus AQ, au signe près, et comme Q varie linéairement en temps, j'ai donc une vitesse de groupe qui doit être en sinus du temps, et c'est effectivement ce qu'on voit en bonne approximation ici, une variation sinusoïdale de la vitesse de groupe. Donc, tout est sous contrôle. Une dernière chose sur les expériences de Paris de l'époque, c'est l'évolution de la vitesse, mais cette fois-ci dans le référentiel du laboratoire, non plus dans le référentiel accéléré avec le réseau, mais dans le référentiel du laboratoire, où là, on trace, donc, c'est les mêmes manips, c'est simplement on trace la vitesse par rapport à un référentiel ou par rapport à un autre. Donc, dans le référentiel du laboratoire, la vitesse moyenne des atomes varie de la manière suivante. Là, ici, vous avez le temps. Ici, vous avez deux périodes de bloc, donc une t égale 0, une première période ici, une deuxième période là. Et dans le référentiel du laboratoire, là où on voit donc des ondes oméga avec des fréquences oméga 1 et oméga 2 qui dépendent linéairement du temps, on voit que la vitesse reste pratiquement nulle jusqu'à une demi-période de bloc. Et à cette demi-période, la vitesse saute assez rapidement à la valeur 2h bar k, elle reste de nouveau constante à peu près, puis elle saute à 4h bar k, etc. Et ça, ça se comprend très bien dans l'image perturbative que je donnais tout à l'heure, mais cette fois-ci, l'image perturbative, je vais la développer dans le référentiel du réseau, donc dans un référentiel où les deux ondes n'ont pas la même pulsation oméga 1 et oméga 2. Qu'est-ce qui peut se passer ? J'ai mon atome qui, initialement, a une impulsion nulle, P égale 0, et ce qu'il peut faire, l'atome, c'est toujours la même chose, c'est absorption-émission stimulée, et cette absorption-émission stimulée doit le faire passer de 0 à 2h bar k. Et pour ça, il faut donc qu'il y ait une certaine différence d'énergie entre l'onde qui va absorber et l'onde qui va émettre, différence d'énergie qui est précisément l'énergie qu'a l'atome ici, donc qui est 2h bar k au carré divisé par 2m, c'est-à-dire 4 énergies de recul. Et puis ensuite, une fois qu'il est là, il va attendre un certain temps jusqu'à ce que la différence entre les deux ondes soit égale à la différence d'énergie entre ce point-ci et ce point-là, et là, à ce moment-là, il va absorber, émettre et passer à 4h bar k, etc. Et donc, on peut regarder à quels instants cette condition de résonance se produit. Donc, il faut écrire que h bar oméga 1 à l'instant Tj de la transition, moins oméga 2 à l'instant Tj, est égal donc, à l'énergie qu'il faut pour passer de 2j h bar k à 2j plus 2 h bar k. Donc, vous avez cette équation-ci. Et ça vous dit que cette transition multiphotonique se produit à des temps Tj qui sont j plus 1,5 de taux b, où j est un entier. Donc, la première transition doit se produire à j égale taux b sur 2. C'est exactement ce qu'on voit là. Puis la deuxième va se produire à Tj égale 3,5 de taux B, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, on a dans cette image perturbative donc, l'atome qui ne fait rien jusqu'à ce que la transition puisse passer, il saute ici, puis là, etc. Donc, on retrouve bien la période de bloc, il n'y a pas de surprise, de 2h bar k sur m gamma, c'est-à-dire 2h bar k sur f, c'est la formule qui était écrite là-haut, on la retrouve bien dans cette image prise cette fois-ci dans le référentiel du laboratoire. Alors, je voudrais, à ce stade, vous montrer que, même si tout est bien sous contrôle, néanmoins, il y a beaucoup d'aspects contre-intuitifs dans ces oscillations de blocs. On a vite fait de se faire piéger quand on raisonne un petit peu trop vite. Et pour vous convaincre qu'il faut faire attention, j'ai repris un quiz que j'ai inspiré d'une conférence de Bill Phillips, qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 2000, c'était en particulier avec Antoine Brouwer, que je crois est là. C'était une des grosses activités du groupe du NIST entre 2000 et 2005. Et le quiz de Bill, donc à la suite des expériences qu'ils avaient faites à l'époque, est le suivant. Supposons que j'ai initialement des atomes qui sont à vitesse nulle ou très basse, petite devant h bar k sur m. Donc prenons un atome de vitesse quasiment nulle. Pas de réseau éteint, donc l'atome est au repos bien sagement. Je branche adiabatiquement le réseau avec une vitesse nulle. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Au départ, je n'ai pas de réseau, et puis je branche le réseau. Donc, mes doigts représentent les puits de potentiel V0 sinus carré Kx. Je branche le réseau. Ensuite, ce réseau, je vais l'accélérer. Alors, on peut prendre une accélération constante, mais disons qu'on prend une accélération quelconque. Donc, je prends ce réseau, comme ça, je le branche, et puis je l'accélère. Je l'accélère et puis à partir d'un certain temps, je vais le laisser bouger à vitesse constante, comme ceci.
le réseau bouge à vitesse constante, et puis là, je vais décroître adiabatiquement son intensité, les atomes vont donc se retrouver en l'absence de lumière. Question, quelle est la vitesse que je peux mesurer pour mes atomes? Les atomes avaient initialement une vitesse nulle, ils ont été pris par un réseau, en quelque sorte, piégés par un réseau, piégés, façon de parler. Ils ont été vus ce réseau s'accélérer, je suppose que j'ai eu un bon suivi adiabatique de la bande fondamentale, puis le réseau s'est évanoui, a disparu. Quelle vitesse est-ce que je peux trouver pour mes atomes? Voilà. Alors, quand je le présente comme ça, il y a une image, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont en tête, en tout cas c'est l'image qui sort naturellement, c'est ce qu'on appelle un élévateur à Godet. Un élévateur à Godet, c'est pas ce qu'on attend dans un cours de mécanique quantique, mais c'est quelque chose donc, qui est des sauts sur une courroie et qui prend l'eau dans la rivière là, ou dans la mer, et puis la fait monter. Et donc, évidemment, si là je demande quelle est la vitesse d'une molécule d'eau dans cet élévateur à Godet, ben, la vitesse d'une molécule d'eau à cet endroit-là, c'est la vitesse du saut. Point. Mais ce n'est pas la même chose pour nos atomes. Pour nos atomes, les atomes dans un réseau optique en mouvement ne sont pas comme de l'eau dans un élévateur à Godet. Et c'est ça la beauté des oscillations de Bloch, c'est que la vitesse des atomes n'est pas rigoureusement égale à la vitesse du réseau. D'où ça vient, ça, ben ça, y a plein de manières de le comprendre, mais une manière de dire les choses, c'est de se dire que si je dis que je prépare des atomes avec une distribution d'impulsion très étroite à l'échelle de h bar k, un delta Q très petit devant K. Eh bien, ça veut dire, ça j'ai eu l'occasion de le dire une diapositive précédente, que delta X est grand devant la période du réseau. Dire que delta Q est petit devant la largeur de la zone de Brillouin, c'est-à-dire que delta X est grand devant la période du réseau. Donc ça veut dire qu'un atome donné, il occupe beaucoup de Godet à la fois, ici. Mon atome donné, sa fonction d'onde, a une cohérence sur beaucoup de Godet à la fois. Et ça, c'est vrai qu'il y ait de l'effet tunnel ou pas entre les godets. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que j'ai une cohérence de ma fonction atomique sur beaucoup de godets à la fois. Et ces différents godets ici sont à différentes altitudes, donc ils vont évoluer avec une phase qui va être différente. Le MGZ n'est pas le même pour un atome dans ce godet-ci que dans ce godet-là, que dans ce godet-là. Donc, à cause de ce MGZ qui est différent pour les différents godets, eh bien, je vais avoir une évolution différente de la phase de cette partie de la fonction d'onde. Et cette évolution différente, finalement, comme Z varie linéairement avec l'altitude ici, va correspondre à donner, finalement, une impulsion à l'atome par rapport au godet. Une impulsion linéaire avec la position, c'est simplement une vitesse, c'est une onde plane. Donc, dire que l'atome a une fonction d'onde qui s'étale sur plusieurs godets et que différents morceaux de la fonction d'onde évoluent avec une phase différente linéaire en fonction de l'abscisse Z, eh bien, c'est dire que mes atomes peuvent avoir une vitesse qui n'est pas celle des godets en train de monter. Voilà. Alors, ayant dit ça, je voudrais quand même rendre ça un petit peu plus quantitatif et vous montrer comment est-ce qu'il n'y a pas du tout d'ambiguïté et qu'on peut faire des raisonnements corrects jusqu'au bout et bien se convaincre de ce que je viens de vous dire. Alors, pour commencer, je vais revenir au raisonnement dans le référentiel du laboratoire, où là, je dirais que c'est là qu'on a le moins de chances de se tromper. Dans le référentiel du laboratoire, si je garde cette image perturbative en tête, eh bien, je dis que l'atome, finalement, tout ce qui peut lui arriver, c'est d'absorber des paires de photons, d'absorber des paires de H-bar-K, faire des processus absorption-émission stimulés qui lui transfèrent deux H-bar-K. Donc, dans cette image perturbative, tout ce qui peut arriver à l'atome, c'est de passer d'une impulsion initiale à une impulsion finale qui est égale à l'impulsion initiale plus 2N H-bar-K, où N est donc un entier, le nombre de fois où j'ai pu faire ces transitions compte tenu de l'accélération de l'atome. Alors ça, vous allez me dire, oui, c'est perturbatif, est-ce que c'est tout le temps vrai? La réponse est oui. Si je fais le raisonnement correct, ce que je vais dire quand j'essaie de répondre au quiz inspiré de Bill Phillips, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je pars dans le référentiel du réseau de Q égale 0, par exemple, je branche mon réseau adiabatiquement, donc les atomes sont toujours dans Q, dans la bande fondamentale, j'accélère mon réseau, donc là, je vais peut-être peupler différentes bandes, mais je vais peupler différentes bandes. Peu importe comment je m'y prends, l'important, c'est que ces bandes sont peuplées et qu'ensuite, quand je vais éteindre le réseau adiabatiquement, je vais avoir ce formalisme de dépliement de bandes qu'on a vu ensemble et les atomes vont rester de toute façon à Q égale 0. Ça, c'est ce que je vous ai dit pour l'Hamiltonien de type H2, c'est que Q de T est égal à Q de 0. Donc, je sais que les atomes restent à Q égale 0. Et quand je fais le dépliement de bandes à partir d'une fonction de Bloch qui est à Q égale 0, je sais que la seule chose que je peux trouver, c'est Q égale 0, Q égale 2 H bar K, Q égale 4 H bar K. Donc dans le référentiel du labo,
Cette image perturbative que j'ai ici se généralise à un réseau quelconque, et je suis sûr qu'à la fin, je ne peux trouver comme impulsion pour mon atome que 0, 2 h bar k, 4 h bar k. Maintenant, qu'en est-il dans le référentiel du réseau accéléré, de mes godets? Comment est-ce que je peux justifier un résultat comme ça en raisonnant dans le référentiel du réseau? Comment est-ce que je peux justifier ça? Bon, ben, on va réécrire ce qu'on a déjà écrit. Dans le référentiel du réseau, mes atomes sont soumis à cette force d'inertie, moins mx0 seconde. Cette force moins mx0 seconde donc, fait que mon quasi-moment défile, q de t égale qin plus l'intégrale de la force. Mais cette intégrale de la force, puisque la force est la dérivée seconde de la vitesse du réseau, eh bien, ça, c'est simplement qin moins m sur h bar fois la dérivée première de la position du réseau, x0 point de t. Ça, c'est vrai, quelle que soit la manière dont j'accélère le réseau. Donc là, ici, j'ai redessiné la petite chose que j'avais dite. Hein, ici, si je suis adiabatiquement la bande fondamentale, eh bien, je pars de qin et ma particule suit adiabatiquement cette bande. Ici, je l'ai fait suivre vers la droite, vers la gauche. C'est que j'ai mis une force dans ce sens-là. Alors, j'ai refait le dessin, là, j'ai remis ici le résultat, q de t égale qin moins m h bar sur x0 point. Et maintenant, supposons que je fasse une mesure d'impulsion dans le référentiel du réseau. Qu'est-ce que je vais trouver? Ben, ici, j'ai un q de t qui, a priori, peut être très grand, parce que j'ai peut-être laissé mon oscillation de bloc se produire un grand nombre de fois. Mais ce que je sais, c'est que je suis dans la bande fondamentale. Donc, quand je vais faire ma mesure d'impulsion dans le référentiel du réseau, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre ce q de t, où qu'il soit sur cette bande rouge là qui s'étend de moins infini à plus infini, et je dois ramener ce q de t dans la première zone du Brillouin, entre moins 1 et plus 1. Et ça, le moyen de le faire, c'est de rajouter à ce q de t que j'ai ici un certain nombre de 2 h bar k qui a la largeur de ma zone de Brillouin. Donc, si vous voulez, je fais une sorte de division euclidienne de q de t par 2 h bar k pour ramener ce Q de T à l'intérieur de la zone de Brillouin. Et donc, l'impulsion que je vais mesurer dans le référentiel du réseau, c'est H bar Q que j'ai ici, plus le bon nombre de 2N H bar K pour que le résultat final soit compris entre moins H bar K et plus H bar K. En effet, je répète, hein, ici, je suis dans la bande fondamentale, donc je sais que quand je vais faire une mesure d'impulsion à partir de ça, avec la méthode de dépliement de bande, en éteignant adiabatiquement le réseau, eh bien, je dois trouver une valeur qui est entre moins H bar K et plus H bar K. Voilà, donc voilà ce que je mesure dans le référentiel du réseau. Maintenant, revenons dans le référentiel du laboratoire pour voir si on retrouve bien nos petits. Donc, l'impulsion dans le référentiel du laboratoire, c'est le changement de référentiel galiléen, c'est l'impulsion dans le référentiel du réseau plus m fois la vitesse du réseau. Bien. Je réécris ça, l'impulsion dans le référentiel du réseau plus la vitesse du réseau qui est x0 point. Donc, mx0 point. P final dans le référentiel du réseau, il est écrit ici. C'est h bar q plus 2n h bar k. Bien, donc h bar q plus 2n h bar k, ça vient d'ici, plus m x0 point. Et maintenant, le q de t qui est écrit ici, je l'ai calculé avant. Et précisément, il fait intervenir lui aussi x0 point, mais avec un signe moins. Donc quand je remplace le q de t qui est ici par sa valeur en fonction de x0 point et que je l'additionne à celui-ci, eh bien, je trouve que la vitesse du réseau disparaît. C'est pour ça que je ne suis pas dans un élévateur à godet. Ce n'est pas aussi simple. Le x0 point disparaît. Et tout ce qui me reste, c'est le P initial plus 2n h bar k. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est que, effectivement, la vitesse de mes atomes n'est pas exactement la vitesse du réseau. Elle n'est pas loin. Elle est juste. Elle est la vitesse du réseau plus ou moins h bar k. Enfin, elle est dans la zone de Brillouin, centrée sur la vitesse du réseau, mais ce n'est pas exactement la vitesse du réseau. Et ça, c'est très important parce que, en particulier dans toutes les expériences de métrologie faites, par exemple, dans le groupe de François Birabin pour utiliser les oscillations de bloc pour mesure H sur M, c'est essentiel d'être sûr que quand on a fait cette manip correspondant au quiz de Bill Phillips, eh bien, j'ai transféré un nombre entier de fois H bar K à l'atome, et pas n'importe quoi. Donc là, on a bien vérifié que c'est bien ce qui se passe. Donc les oscillations de bloc, c'est un moyen pour, dans le référentiel du réseau, transférer un nombre entier de 2 H bar K à notre particule. Alors, je termine ce paragraphe-ci avec une chose sur les oscillations de bloc dues à la gravité. Jusqu'à maintenant, je me suis concentré sur une force F de T qui avait comme origine une force d'inertie. Mais comme je le disais en introduction, on peut aussi avoir une vraie force qui crée les oscillations de bloc. Et en particulier, la gravité est tout à fait éligible pour ça. Donc, mettons maintenant un réseau vertical. Donc, l'Hamiltonien H1 qui est écrit là-bas,
et cette fois-ci la Hamiltonienne dans le référentiel du laboratoire, j'ai plus de réseau accéléré, simplement le F de T ici, ça va valoir MG maintenant, donc j'ai une pulsation de bloc oméga B qui est définie par H bar oméga B égale A fois la force, donc A fois MG, et on peut regarder ce qui se passe. Alors, il y a eu des premières manips faites à Stanford, il y a eu des manips faites à Florence en 2004, là, je montre des manips faites dans le groupe de Tino en 2011, il y a également des manips faites au CIRT dans le groupe de Frank Pereira, dont je parlerai la semaine prochaine, puisqu'elles ont plus dans le point de vue Vanier-Stark. Donc là, je me concentre sur le point de vue vraiment oscillation de bloc. Donc je montre les manips faites dans le groupe de Guglielmo Tino à Florence. C'est des manips dont le résultat visuel est absolument superbe. Il s'agit d'atomes de strontium. J'ai mis ici la période du réseau. La pulsation de bloc, vous pouvez la calculer connaissant la gravité. Elle est de l'ordre de 570 Hz. La profondeur du réseau ici est de quelques énergies de recul. Et vous voyez ici des oscillations de bloc, donc liées à la gravité. C'est toujours des distributions d'impulsion qu'on voit ici. Vous voyez ici des oscillations de bloc dues à la gravité qui durent pendant des temps de l'ordre jusqu'à une vingtaine de secondes. Donc ici, vous avez la première oscillation de bloc. Donc ça ressemble beaucoup au graphe que j'ai montré tout à l'heure des résultats de Christophe Salomon, hein, où on voit la particule décrire la zone de Brillouin, puis rebondir et puis recommencer. Ça, c'est donc la première oscillation, au bout de 30 millisecondes. Là, vous avez l'oscillation numéro 2900. Le contraste n'a pratiquement pas décru. Ici, vous avez l'oscillation numéro 7700, au bout de 13 secondes. Et puis là, au bout de 17 secondes, ça s'est quand même un petit peu brouillé, mais bon, on continue à deviner quand même l'oscillation. C'est pratiquement l'oscillation numéro 10000. Ça. Alors avec ça, simplement en regardant ça, vous pouvez en déduire petit g, puisque vous connaissez la fréquence à laquelle ça oscille avec une bonne précision, puisque vous avez 10 000 oscillations. On a petit g avec une précision qui n'est pas excellente comparée au meilleur gravimètre, qui est à l'ordre de 6 × 10⁻⁶, et on verra la semaine prochaine que les échelles de Vanier-Stark en fait, donnent un moyen d'avoir petit g à une précision bien meilleure que ça. Mais néanmoins, je trouve que visuellement, voir des atomes qui font 10 000 oscillations comme ça dans le réseau, c'est vraiment très joli. Bien, alors, maintenant, j'aimerais passer à la discussion de cette approximation adiabatique qui a été donc centrale dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai dit repose sur le fait que les atomes suivaient la bande à n égale 0. Donc j'aimerais discuter de ça. Alors, l'approximation adiabatique, dans son cadre général, on a déjà eu l'occasion d'en parler au moment où on discutait précisément ces méthodes de branchement et de débranchement de réseau. Je vous rappelle les ingrédients essentiels. Je suppose que j'ai un Hamiltonien qui dépend d'un paramètre petit f. Donc cet Hamiltonien, je peux le diagonaliser pour n'importe quelle valeur de petit f. J'ai donc les états propres phi n de f, j'ai les états propres en de f, et là j'ai tracé une variation typique de ces énergies en de f en fonction de petit f. Maintenant, je suppose que petit f dépend du temps, parce que j'ai un bouton extérieur qui me permet de faire varier petit f. Et je suppose également qu'à l'instant initial, le système est dans un état propre particulier de l'Hamiltonien, phi n de f0. Et la question, donc, supposons par exemple que ce soit celui-ci, maintenant bon, petit f va dépendre du temps, donc il va faire quelque chose comme ça, et j'aimerais savoir si je reste dans l'état propre associé à cet état petit n ou pas. Et la réponse, quand on regarde ça, c'est fait en particulier dans le Messia, c'est qu'on va suivre adiabatiquement l'état propre phi n de f de t avec en bonne approximation si la condition suivante est réalisée. Cette condition suivante, ça consiste à comparer la vitesse angulaire à laquelle les états phi n défilent dans le temps du fait de la variation de petit f avec le temps. Donc on regarde la dérivée par rapport au temps de phi n et on le multiplie scalairement par un phi n prime, et je prends le module de ça puisque ça c'est un nombre complexe, et je compare ça aux fréquences de bord du système, c'est-à-dire les en prime moins en divisé par h bar. Si vous préférez, j'ai multiplié par h bar à gauche et à droite ici. Donc il faut que la vitesse angulaire à laquelle les états propres bougent en fonction du temps, du fait de la variation de f en fonction du temps, il faut que la vitesse angulaire de cet état propre soit petite devant les pulsations de bord. Donc ici, on est exactement dans un cas d'application de ce théorème adiabatique. Là, j'ai refait encore une fois ce dessin où j'ai ma bande fondamentale, mes atomes qui sont préparés ici. J'espère qu'ils vont suivre adiabatiquement la bande fondamentale. Cette bande fondamentale, les états propres sont repérés par le quasi-moment petit q. Et ce quasi-moment q, ben, il varie dans le temps, précisément, il varie linéairement dans le temps via cette relation-ci.
Et donc, je me demande si cette condition-là, ou cette fois-ci, je remplace petit f par q, si cette condition-là est vérifiée. Alors, regardons ça un petit peu en détail. Donc, comme je l'ai dit, le paramétrage en temps, donc, je peux le transformer par un paramétrage en quasi-moment, puisque le quasi-moment varie linéairement avec le temps. Donc, là où j'avais tout à l'heure un' de q, enfin, je reviens en arrière, là où j'avais φn' dérivé par rapport au temps de φn, je vais avoir maintenant un' de q, et puis la dérivée par rapport au temps, je la remplace par une dérivée par rapport à q de unq, et je dois comparer ça à la différence d'énergie entre une bande n' et une bande n prise à un q donné. Alors, on peut faire ça dans la limite des liaisons faibles. Donc, dans la limite des liaisons faibles, où est-ce que le point critique se trouve ? Dans la limite des liaisons faibles, le point critique va se trouver là où les états ici sont resserrés, sont très proches l'un de l'autre. C'est là où en' - en va être petit, donc c'est là où, et en plus, c'est là que les états tournent le plus vite, la vitesse angulaire des états est la plus élevée, donc c'est là le point critique. Donc dans la limite des liaisons faibles, c'est en ce point-ci qu'il faut regarder si oui ou non tout se passe bien. Oups. Voilà. Et quand on fait ça, eh bien, on obtient une condition, je ne vais pas détailler les calculs, mais ils sont faits dans les notes, on obtient une condition qui est écrite ici. C'est une condition sur la force, bien sûr, puisque quand je remplace la dérivée par rapport au temps par une dérivée par rapport à Q, je sors la force. Donc il faut que la force soit petite devant quelque chose, ce quelque chose étant l'écart d'énergie divisé par cette vitesse angulaire. Et quand on met tout ensemble, eh bien, on trouve que la force doit être petite devant V0 carré, donc le carré du potentiel qui crée le réseau optique, divisé par l'énergie de recul fois petit k. Et si vous voulez écrire ça sous forme de nombre sans dimension, donc je peux écrire ça comme le rapport d'une énergie à gauche de l'énergie h bar oméga b, donc cette énergie-là, l'énergie caractéristique liée à la pulsation de bloc, divisée par l'énergie de recul, donc ça c'est un nombre sans dimension, qui doit être petit devant pi sur 8 fois V0 sur R, cette fois-ci au carré. Alors ça, c'est dans ce diagramme log-log, c'est la courbe bleue qui est ici, voilà, c'est donc une variation quadratique, donc une droite de pente 2 dans le diagramme log-log. V0 sur R, ici, vaut 1, il vaut 10, il vaut 100. Donc, je vous parle ici de liaison faible. Donc, cette prédiction ici, elle est intéressante essentiellement dans cette partie du diagramme pour V0 sur R, d'ordre 1 ou quelques unités, mais pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la limite des liaisons fortes? Là, c'est un petit peu plus difficile de dire des choses qui sont vraiment pertinentes à tous les coups. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour parler de liaisons fortes, il faut avoir des minima, c'est la moindre des choses. Et donc, il ne faut quand même pas que ma force soit trop grande, parce que si je prends une force qui est trop grande, si je reprends le dessin que j'ai fait ici avec ce potentiel qui oscille, si ma force est trop grande, si ma pente est trop grande, bah, les minimales locaux vont disparaître, et puis j'aurai absolument plus de liaison forte, puisque j'aurai plus d'états localement liés. Ça, dire qu'il y a des minima locaux dans cette fonction-ci, c'est simplement dire que la force F est plus petite que KV0, si vous regardez la dérivée de V2x moins F2x, et vous si dites que cette dérivée doit s'annuler en certains points, au minima, vous trouvez que la force doit être plus petite que KV0. Donc ça, c'est cette force, cette pente-ci, c'est une droite de pente 1, ici, puisque c'est une relation linéaire entre la force et V0, alors que là, par exemple, j'avais une droite de pente 2, parce que j'ai une relation quadratique entre la force et V0. Mais bon, ça peut ne pas être suffisant, hein, ça dépend vraiment des conditions expérimentales. On peut se dire qu'il y a une autre zone critique, c'est quand si je dessine mes états liés dans ces différents puits-là, imaginons que je sois dans l'état n égale 0 ici. Si je prends une force un petit peu trop grande, eh bien, l'état n égale 0 qui est là va entrer en résonance avec l'état n égale 1 qui est ici. Et là, bah, si l'effet tunnel est autorisé à travers cette barrière, ça peut être mauvais. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Je n'ai pas envie d'avoir cet effet tunnel résonant entre l'état n égale 0 et l'état n égale 1. Donc si je mets ça comme condition, ça me dit que AF, c'est-à-dire le décalage en énergie entre ce point-ci et ce point-là, c'est ce que j'avais écrit au tableau, hein, A fois F doit être plus petit que H bar oméga oscillation. Et donc ça me met, toujours en ces unités réduites, une relation avec une puissance 1,5 cette fois-ci, puisque oméga oscillation est en racine de V0, une puissance 1,5 entre H bar oméga B et puis V0. Donc ça, c'est la droite rouge que j'ai mise là. Je ne suis pas convaincu personnellement que cette relation-ci soit toujours nécessaire. Si V0 est vraiment très très grand et qu'il n'y a pas d'effet tunnel, finalement c'est peut-être pas très grave d'être résonant. Disons que ça c'est la sécurité. Voilà. Si on est en dessous de ça, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Mais peut-être qu'on peut travailler malgré tout dans cette zone-là. Maxime Dahan, dans sa thèse, met encore une autre condition
qui est intermédiaire entre celle-ci et puis celle-là. Maxime Daron avait fait sa thèse avec Christophe Salomon à l'époque des premières observations que j'ai montrées tout à l'heure. Et lui, il a une puissance V0, puissance 3 quarts ici, intermédiaire. Voilà. Bon, je dirais, le mieux, c'est de résoudre l'équation de Schrödinger dans le cas qui vous intéresse, si vous en avez besoin, et puis vous assurer que ça marche. Alors, au-delà, quand on va au-delà de ce simple argument de suivi adiabatique, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer des transitions de l'endozénaire, c'est-à-dire que l'atome ne va plus suivre adiabatiquement, il va pouvoir passer vers de la bande n égale 0 vers la bande n égale 1. Alors, c'est le même Zener. Hein. Il était très productif à l'époque, ce monsieur Zener. C'est pas le même article. Zener avait étudié les transitions de l'endozénaire. L'endo aussi les avait faites, mais là, on parle de Zener. Dans un article qu'il avait publié 2 ans auparavant, en 1932. Et il s'était posé un problème qu'il a donc ensuite ressorti en 1934 pour l'article qui nous intéresse, qui est un problème qui modélise exactement ce qui se passe donc, au niveau de ce croisement évité, là, entre la bande n égale 0 et la bande n égale 1. Le problème qu'il avait étudié en 1932 était le suivant. Il prenait une particule, disons, à deux niveaux, donc disons un spin 1,5, qui était placée dans un champ magnétique qui variait linéairement avec le temps. Donc, c'est un champ magnétique que je vais prendre orienté selon l'axe Z. Et ici, je prends les états propres plus Z et moins Z le long de cet axe. Et donc, du fait de cette partie de l'Hamiltonien, l'état plus Z monte linéairement avec le temps, l'état moins Z descend linéairement avec le temps, et ils se croisent en T égale 0. Et puis, on superpose à ce champ dépendant du temps, linéairement du temps, un champ constant, perpendiculaire, qu'on va prendre orienté selon l'axe X, par exemple. Donc ça rajoute dans l'Hamiltonien un terme bêta fois sigma X. Donc c'est facile de trouver à chaque instant les états propres de cet Hamiltonien à jeter. Les énergies propres sont simplement les deux branches d'hyperbole racine de alpha de T2 plus bêta carré, le module carré de ces deux coefficients-là. Je les ai tracés ici sur le diagramme. Et donc la question que s'était posée Zener en 1932, c'était, partant de l'état plus à l'instant T, quelle est la probabilité de suivre adiabatiquement la branche d'hyperbole et quelle est la probabilité de transiter, de ne pas me rendre compte qu'il y a un champ bêta et de transiter comme ça et de me retrouver ici. Donc il avait calculé ces deux probabilités de passer d'être là et d'être là. Et la probabilité de suivi adiabatique qu'avait trouvé Zener pour ce problème, c'est la suivante, c'est la probabilité de finir dans la branche ici, c'est 1 moins exponentielle de pi bêta carré sur h bar alpha. Voilà, donc si vous prenez, par exemple, bêta égale 0 là-dedans, donc si vous n'étiez pas de champ selon x, à ce moment-là, si je prends bêta égale 0, j'ai exponentielle de 0 ici, donc j'ai 1 moins 1, donc j'ai 0, donc je trouve que si je ne mets pas de champ bêta, ben, la probabilité de faire ça est nulle, et mes atomes font ça à coup sûr. Il faut mettre un champ bêta non nul et assez grand pour que les atomes fassent ceci. Alors, dans notre problème, si je transpose ce qu'on a vu ici à ce qui se passe au voisinage de ce croisement évité là, eh bien, finalement, on est en terrain connu puisque le terme linéaire en temps, eh bien, c'est le défilement linéaire du quasi-moment Q, puisque encore une fois, ce quasi-moment Q varie linéairement en temps avec ça. Donc, on peut faire une transcription 1 à 1 de cette formule-ci en termes de force, et on obtient une force qui est du type 1 moins f critique sur f, donc grand f c'est ce qui vient du alpha t ici, le ft devient le grand f vient ici, et le f critique, eh bien c'est exactement, elle a exactement l'expression que j'avais donnée tout à l'heure en examinant le théorème adiabatique, simplement ce que je n'avais pas deviné c'était le préfacteur, mais je retrouve quelque chose qui est en v0 carré, quadratique en v0, divisé par l'énergie de recul fois k. Donc ça, si vous regardez bien, c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, que la force devait être petite devant cette chose-là. Eh bien, on retrouve bien qu'effectivement, quand la force devient de l'ordre de Fc, cette probabilité n'est pas rigoureusement égale à 1, comme je l'aimerais. Alors, encore un mot historique. Pourquoi est-ce que Zener s'intéressait à ça? Donc, je vous ai dit, Zener cherchait le claquage. Donc, comment est-ce qu'il finissait son raisonnement? Comment est-ce qu'il calculait la probabilité de claquage de l'électron quand il oscillait comme ça? Eh bien, il utilisait un modèle qui avait été introduit encore dans ces années-là, en 1931, par Gamow, pour expliquer le phénomène de radioactivité alpha. Gamow expliquait le phénomène de radioactivité alpha en disant la chose suivante. Il disait, j'ai un noyau, donc de masse grand A, de charge grand Z, et dans ce noyau, j'isole une particule alpha, donc de charge 2 et de masse 4, et puis le reste des nucléons qui sont donc de masse A-4 et Z-2, la particule alpha oscille dans le noyau comme ça, sous l'effet des forces nucléaires, et puis de temps en temps, enfin, à chaque fois qu'elle arrive sur le bord du noyau, elle tente sa chance de s'échapper par effet tunnel
pour être émise. Et donc, c'est ça le mécanisme de radioactivité alpha, c'est que la particule alpha s'échappe du noyau. Mais pour s'échapper du noyau, elle avait une barrière à franchir qui était la barrière coulombienne, puisque à courte distance, les forces nucléaires l'emportent, mais à longue distance, eh bien, ce que la particule alpha est chargée positivement, charge plus 2, le noyau qui reste est chargé positivement, charge z-2, donc les deux se repoussent, et donc j'ai une barrière importante pour la particule alpha pour qu'elle sorte du noyau et qu'elle parte. Et Gamow avait développé ce modèle, et ce modèle rendait très bien compte de la variation de décroissance alpha en fonction de l'énergie des particules alpha émises. Donc Zener, fort de son raisonnement de 1932, appliquait ce modèle de Gamow à notre électron ici, c'est-à-dire qu'il disait que l'électron, quand il arrive en bord de bande, ben, il peut repartir en arrière, mais il tente sa chance quand même à travers cette barrière tunnel-là, et il a une certaine probabilité de passer, et quand il passe, eh bien, après, le phénomène d'avalanche peut se produire. Donc, quelle est la probabilité que l'électron survive au bout d'un temps T ? Eh bien, si je prends un temps T qui est grand devant la période de bloc, ça veut dire que l'électron va tenter sa chance J fois, où J, c'est T sur tau B, ici. À chaque fois, il a une certaine probabilité de rester, P ronde, et puis une probabilité 1 moins P ronde de sortir. Donc, quelle est la probabilité qu'il soit encore là après J essai ? Eh bien, c'est P puissance J. Donc P, il est écrit là-haut, donc c'est l'exponentielle de J fois le log de cette quantité-ci, et si on utilise que l'exponentielle ici est petite devant 1, donc j'ai le log de 1 moins X, et je remplace ça par petit X. Donc Gamow arrivait à une loi de décroissance exponentielle, comme la radioactivité alpha, en exponentielle moins T sur tau, et le temps caractéristique tau de claquage, donc c'était le temps d'oscillation de bloc tau B, fois l'exponentielle de FC sur F. Et quand la force grand F est petite devant la force critique, c'était FC sur F est grand devant 1, l'exponentielle est très grande devant 1, donc ce temps tau est grand devant le temps de bloc tau B. Alors ça a été vu avec des atomes froids, cette décroissance exponentielle. Ça a été vu en fait dès les premières manips faites à Austin et à Paris. Ici j'ai mis un résultat très joli obtenu par Ennio Arimondo et son groupe à Pise il y a quelques années, dans cette expérience, il a vraiment pu résoudre les différents passages des atomes aux différents points, aux différents bords de zone de Brillouin, c'est-à-dire après 0,5 temps de bloc, 1,5 temps de bloc, etc. Donc ce que vous avez ici, ce sont des résultats obtenus avec des atomes de rubidium dans la bande N égale 0 d'un réseau accéléré. C'est un réseau qui est choisi peu profond, juste une énergie de recul, et l'accélération est choisie assez grande, vous voyez, la H bar oméga B ici, et de l'ordre de la profondeur du réseau, enfin 0,4 fois l'énergie de recul, donc 0,4 fois V0, de sorte que la probabilité de passer par effet tunnel est 1,5, enfin c'est 1,5 de suivre adiabatiquement et 1,5 de prendre la mauvaise voie. Et c'est effectivement ce qu'ils voient là, c'est-à-dire qu'ils résolvent en temps ce qui se passe donc, au niveau de l'oscillation de bloc. Pendant la première moitié de l'oscillation de bloc, quand l'atome n'est pas encore arrivé au niveau du croisement évité, eh bien, la probabilité est à peu près 1 d'être toujours dans la bande fondamentale, et puis là, elle chute au moment où on passe en bord de zone, et chute à 0,5, cette probabilité, puis là, elle est encore divisée par 2, à 0,25, etc. Donc ça, c'est une très belle illustration de ces transitions Landau-Zener successives quand l'atome passe en bord de zone de Brillouin. Alors, ces transitions non adiabatiques peuvent être vues comme un problème, puisque ça nous fait perdre nos atomes en train d'osciller. C'est également un plus, dans certains cas, parce que ça permet de construire des séparateurs de faisceaux qui sont donc à base d'oscillations de bloc. Alors ça a été fait pour la première fois dans le groupe de Bill Phillips, en particulier avec Antoine Brouwer dans les manips qu'ils ont faites entre 2002 et 2005, et ça a également été fait dans le groupe de François Birabin à l'École normale en 2009. Et je vais en dire un mot dans un instant. Alors comment est-ce qu'on fait un séparateur de faisceaux à base d'oscillation de bloc ? Eh bien, on va tirer parti du fait que la probabilité de suivi adiabatique n'est pas la même pour la bande fondamentale, ici, où le croisement évité est assez grand, et puis pour les bandes excitées, où vous voyez, les niveaux sont beaucoup plus resserrés. Donc, comment est-ce qu'on fait marcher ça ? Eh bien, on part d'atomes avec une impulsion P qui est inférieure à H bar K, disons, de telle sorte que les atomes sont dans la première zone de Brillouin. Et puis, on commence en faisant une transition de Bragg qui fait passer l'atome, une partie des atomes, de P à P plus H bar K. Donc, après cette transition de Bragg, on n'a pas encore le réseau, hein, mais on a des atomes qui sont en superposition de P, donc une fraction de H bar K, et puis P plus H bar K. J'ai transféré, les atomes sont 1 sur racine de 2, si vous voulez, l'un plus l'autre. Et puis, on branche adiabatiquement un réseau immobile,
Donc les atomes se retrouvent dans la bande rouge et dans la bande verte ici. Et puis ensuite, on accélère le réseau. Et on accélère le réseau en choisissant bien son accélération. Ce qu'on va chercher à voir, c'est un suivi adiabatique pour la bande fondamentale, en tirant parti du fait que l'anticroisement ici est assez grand, donc ce n'est pas trop difficile de satisfaire aux critères du théorème adiabatique. Et à ce moment-là, si j'accélère le réseau beaucoup, l'atome va osciller le long d'une sinusoïde-là et va se retrouver avec une grande impulsion 2n h bar k. Et puis, dans le référentiel du laboratoire, ça c'est ce qu'on a vu ensemble avec l'élévateur à Godet quantique, si je puis dire. Et puis, pour la bande n égale 2, au contraire, l'accélération sera choisie pour que la probabilité de suivre adiabatiquement la bande verte, c'est-à-dire de faire ça, est très faible. Et l'atome, au contraire, a une beaucoup plus grande probabilité de passer directement ici et puis de continuer à monter le long de cette branche de parabole. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moyen très sophistiqué pour dire que l'atome, finalement, il ne voit pas le réseau. C'est-à-dire que l'atome est accéléré dans le référentiel du réseau, sachant que le réseau lui-même est accéléré, c'est-à-dire que l'atome reste immobile dans le référentiel du laboratoire. Donc ça veut dire que cette partie-là de la fonction d'onde de l'atome, elle est avec ses deux h bar k au départ, et puis elle va rester avec deux h bar k tout le temps. Donc l'idée, c'est de produire à la fin de l'accélération une superposition, avec des poids donc, qui sont à décider en fonction de ce qu'on a fait au départ, mais qui peuvent être 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, une superposition de p plus 2n h bar k. Ça, c'est la partie de la fonction d'onde qu'on a mise dans la bande fondamentale, et de P plus 2H bar K, ça, c'est la partie de la fonction d'onde que j'ai mise là-haut et qui est restée immobile ensuite, enfin immobile, qui n'a pas été affectée dans le référentiel du laboratoire. Alors, j'ai refait le dessin ici, et là, je mets un résultat que j'ai tiré d'un papier de Pierre Pladé, collaborateur dans le groupe de François Birabin, où on montre qu'effectivement, c'est possible d'avoir ces deux conditions simultanément réalisées, c'est-à-dire d'avoir un bon suivi adiabatique pour la bande du bas et un très mauvais, voire nul, suivi adiabatique pour la bande du haut, c'est-à-dire que ça n'est pas affecté dans le référentiel laboratoire, alors que ça l'est. Donc ici, vous avez la probabilité de suivi adiabatique pour la bande n égale 0, tracée en fonction de V0 sur 8 ER, c'est le choix d'unité qu'ils ont fait, et on voit qu'à partir de V0 égale 8 ER, on a une très bon suivi adiabatique, alors que pour suivre adiabatiquement la bande N égale 2, il faut aller chercher des V0 beaucoup plus grands, de l'ordre de 16, voire 20 ER, et donc il y a toute une zone ici où je vais suivre adiabatiquement N égale 0, mais pas suivre adiabatiquement N égale 2, et où donc on va réaliser le cahier des charges qu'on s'est fixé. Alors pour le mettre plus précisément, ce qui nous intéresse, c'est donc avoir P0 proche de 1, et P2 proche de 0, donc ce qu'on veut maximiser, c'est le produit P0 fois 1 moins P2 qui est tracé ici. Donc on a intérêt à se mettre par là pour maximiser ce suivi adiabatique pour n égale 0 et ce non-suivi pour n égale 2. Alors avec ça, on peut faire un interféromètre, puisqu'on a séparé notre paquet d'ondes en deux paquets avec des impulsions a priori très différentes l'une de l'autre. Ça a été mis en œuvre dès 2002 au NIST dans un interféromètre de Max Zender. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas si beau que ça en a l'air, en tout cas pas si simple que ça en a l'air. Il y a des difficultés qui sont liées au fait que les déplacements lumineux ne sont pas les mêmes pour les atomes qui sont accélérés avec le réseau, qui sont dans les godets du réseau, les atomes qui, au contraire, eux, ne voient pas le réseau. Donc, du coup, il faut bien contrôler les phases dans ce type d'interféromètre. Et là, je vous renvoie à la publication de Pierre Cladet et al. Pour aller voir ces détails. C'est non trivial à mettre en œuvre de manière en pratique si on veut vraiment mesurer des choses avec un interféromètre comme ça. Mais sur le principe, c'est très joli et très simple. Bien, il me reste encore quelques minutes et j'aimerais, dans ces quelques minutes, finir ce que je veux dire sur les oscillations de Bloch en me plaçant dans le régime des liaisons fortes. Alors, je ne vais pas démontrer grand-chose là, parce que bon, les calculs ne sont pas bien compliqués, mais ce ne présente pas de grand intérêt, mais je voudrais montrer comment, dans les limites des liaisons fortes, on peut écrire des choses analytiques simples et jolies pour retrouver l'essentiel de ce qu'on a rencontré dans différents endroits de ce cours. Alors, les liaisons fortes, déjà, je vous rappelle ce qu'on a dit ensemble en l'absence de force grand F. Je prends un modèle très simple, un modèle à une bande. Donc, à ce moment-là, l'essentiel de ma dynamique est décrite par le coefficient tunnel grand J, qui me dit comment les atomes sautent d'un site donné petit j au site voisin, j plus 1 ou j moins 1. Et l'Hamiltonien, en l'absence de force, donc pour le moment vous oubliez ce qui est écrit ici, l'Hamiltonien est très simple, c'est donc ce moins j, t plus t croix, où t c'est l'opérateur translation du site j vers le site j plus 1, donc ça prend n'importe quel état dans la fonction de Vanier wj,
n'importe quelle particule, la fonction de value WJ, pour la faire passer la fonction de value WJ plus 1, je somme sur tous les J, et T croix, c'est l'hermétique conjuguée, c'est donc juste passer de J à J moins 1. Maintenant, si j'ajoute ma force, je vais donc ajouter à cet Hamiltonien un terme en moins FA, somme sur tous les J de la position donc, du site J, qui est J fois A, fois le projecteur sur la fonction de Vanier WJ. Alors, si F est nul, donc si je n'ai pas ce terme-ci, encore une fois, je connais les états propres de cet Hamiltonien, ce sont les fonctions de bloc, qui, dans le cadre des liaisons fortes, sont très simples à écrire. C'est simplement la somme sur tous les sites J de la fonction de Vanier WJ fois e puissance moins i J à Q. Et les énergies E de Q sont, ce que j'ai écrit tout à l'heure, moins 2J fois cosinus à Q. Maintenant, supposons que la force soit présente. Alors là, il y a une petite animation, voilà, j'ai un potentiel qui devient comme ça, c'est mes godets de tout à l'heure, hein, le site J-1, le site J plus 1 ne sont plus à la même hauteur, c'est ce qui correspond à ajouter ce terme-là dans l'Hamiltonien. Et ce qu'on a vu, enfin ce que j'ai dit et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est donc que la forme de bloc est préservée, simplement le Q qui est ici va être changé, va devenir un Q initial plus F de T sur H bar. Donc finalement, résoudre l'évolution temporelle dans ce problème des liaisons fortes, là, c'est très simple, parce que comme je n'ai qu'une seule fonction de bloc qui est associée à l'état petit q, eh bien, la forme de ma fonction d'onde psi à l'instant t est extrêmement contrainte. La seule forme que je peux prendre pour ma fonction à l'instant t, puisque q de t doit défiler selon la loi qui est écrite ici, eh bien, c'est cette fonction de bloc psi de q qui est écrite là-haut, donc puissance moins ij à q de t fois wj, fois une phase globale. La seule chose que j'ai à déterminer, c'est cette phase globale. Le reste est complètement contraint. J'ai qu'une seule fonction de bloc à ma disposition une fois que q est fixé, et q est effectivement fixé via ce défilement que j'ai imposé, enfin qu'on a trouvé ensemble, et qui est donc imposé. Alors, comment varie phi de t ? Ben, ça, j'avais eu l'occasion de vous le dire la semaine dernière, dans le cas général, la fonction phi de t, il suffit d'injecter ça dans l'équation de Schrödinger pour trouver l'équation d'évolution pour grand phi, et la solution de cette équation de Schrödinger est obtenue si je prends grand phi de la manière suivante, grand phi de t, c'est phi de 0 plus l'intégrale sur le temps de l'énergie E de Q de T' dT'. Alors la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, Q de T' oscillait dans le temps, j'avais des réseaux qui étaient secoués, donc Q de T' oscillait, et comme grand E lui-même est une fonction sinusoïdale, je me retrouvais avec des cosinus de sinus, l'intégrale de cosinus de sinus, c'est comme ça que je fais apparaître des fonctions de Bessel qui modifiaient mes coefficients tunnels. Là, en fait, ça va être plus simple à calculer parce que Q de T' c'est une fonction linéaire du temps, hein, Q de T', ça varie linéairement en temps, et donc je dois simplement injecter cette variation linéaire en temps dans le cosinus et effectuer l'intégrale, donc ça c'est très simple. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai rappelé les résultats essentiels, donc la forme de la fonction de bloc, la forme de l'énergie en cosinus à Q, et puis donc l'intégrale que je suis censé prendre, l'intégrale de 0 à t de grand E de Q de T', sachant que Q de T' donc est à cette dépendance linéaire en temps. Donc quand j'intègre ça, ben, puisque Q varie linéairement en temps, c'est facile, j'intègre un cosinus, donc j'obtiens un sinus, et j'obtiens phi de t égale nu sur 2, sinus a q de t moins sinus a q initial. J'ai introduit ici un paramètre petit nu, donc qui apparaît de 100 dimensions, hein, ce que je calcule ici c'est une phase, donc ça n'a pas de dimension. Ce paramètre petit nu, j'ai donné sa valeur ici, 4j sur af. Je donne tout de suite une interprétation physique simple, en reprenant encore le dessin de M. Zener. Donc Zener nous avait permis de trouver la longueur du segment AB sur lequel l'oscillation de bloc se faisait ici, et je vous rappelle, c'était la largeur de la bande divisée par la force, hein, cette longueur-là. La largeur de la bande dans le modèle de liaison forte, c'est simplement 4J, ici, puisque vous avez une bande qui oscille entre moins 2J et plus 2J. Donc la largeur, c'est 4J. Je divise par la force grand F, et pour obtenir quelque chose de 100 dimensions, je divise par la distance entre deux sites consécutifs petit a. Donc ce paramètre nu que j'ai écrit ici, 4J sur AF, c'est simplement le nombre de sites qu'il y a entre les points A et B. Donc c'est un nombre qui me donne l'amplitude que j'attends dans mon raisonnement semi-classique pour cette oscillation de bloc. Voilà, alors une fois que j'ai grand phi, bah j'ai tout, puisque je connais l'évolution de chaque fonction de bloc, et que les fonctions de bloc, c'est une base de mon espace des états, donc je suis capable, comme ça, de trouver l'évolution de n'importe quel état. Alors, le plus simple, c'est d'écrire l'opérateur d'évolution, l'opérateur d'évolution grand U. Alors, je peux l'écrire dans la base des fonctions de bloc, mais là, il est presque trivial, puisque je vous ai dit qu'une fonction de bloc restait une fonction de bloc. Donc, si je prends une fonction de bloc psi Q, je fais agir U de T dessus,
je vais obtenir une autre fonction de bloc, avec un Q simplement translaté de la quantité Ft sur H bar. Et donc, ce que j'obtiens, quand je reprends le produit scalaire avec un psi de Q', c'est simplement une distribution de Dirac de delta de Q' moins Q plus Ft sur H bar. Donc là, pas de surprise. Là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est la base des fonctions de Vanier. C'est ça le calcul que je ne vais pas faire, mais je vous donne une référence dans les notes, c'est fait par Hartmann et collaborateurs. Quand on prend cette relation-ci et qu'on fait le changement de base qui permet de passer des fonctions de bloc aux fonctions de Vanier, eh bien on trouve que l'élément de matrice de l'opérateur d'évolution entre un WJ et un WJ', c'est une fonction de Bessel de première espèce, avec un indice de la fonction de Bessel qui est J' moins J, la distance entre les deux sites que je considère, et l'argument de la fonction de Bessel, eh bien c'est précisément ce nu ici, ce nombre de sites, fois sinus, oméga b, t sur 2, oméga b, la pulsation de bloc. Alors, sous cette forme, incidemment, vous reconnaissez bien, ici, la périodicité de l'oscillation de bloc. Quand je remplace t par t plus 2π sur oméga b, je retombe bien sur la même chose. Donc, j'ai bien le phénomène périodique. Et je termine avec une dernière diapositive, qui est un résultat précisément donné par Hartmann et collaborateurs, qui montre donc le phénomène d'oscillation de bloc dans deux cas limites. Alors, le deuxième cas limite, ici, c'est le cas qu'on a regardé jusqu'à maintenant. Je voudrais commencer par ce premier cas qui est nettement moins intuitif, en tout cas ce n'est pas quelque chose que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Ce premier cas limite, c'est le cas qu'on obtient si on part d'un site donné. Si je prends par exemple comme état initial le site j égale 0, donc ma fonction initiale, je suis dans la fonction de Vanier W j égale 0. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est donc la probabilité de présence sur différents sites en fonction du temps. Alors on voit bien que c'est un phénomène périodique de période taux B, ça c'est normal. Le paramètre petit nu, c'est-à-dire le nombre de sites du raisonnement semi-classique, est choisi ici égal à moins 31.6, ne me demandez pas pourquoi. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est effectivement que ce paramètre petit nu apparaît dans l'oscillation, c'est normal. Je vous rappelle l'expression de l'opérateur d'évolution dans la base des fonctions de Vanier, c'est donc cette fonction de Bessel grand J. Je regarde l'amplitude de probabilité pour passer de site 0 au site J, donc c'est grand J indice petit J fois sinus nu, sinus oméga bt. Je rappelle qu'une fonction de Bessel comme ça, ça prend des valeurs significatives jusqu'à ce que l'argument de la fonction de Bessel soit de l'ordre de l'indice. Donc cette probabilité ici est importante jusqu'à des valeurs de petit J d'ordre nu. Donc si j'ai pris nu égale 30, je m'attends à ce que ma fonction de Bessel soit significative jusqu'à J indice 30, et c'est effectivement ce qu'on trouve. La distribution atomique respire, on part de site J égale 0, elle va respirer comme ça jusqu'à à peu près 30, c'est-à-dire la valeur de petit nu, et puis revenir sur elle-même, puisque ça fait une périodique, puis repartir. Donc dans ce schéma ici, où je pars d'un site donné, dans le modèle de lésion forte, j'ai simplement un phénomène de respiration. Je pars d'un site, je fais ça, et puis je reviens sans interruption, phénomène périodique. Voilà, donc ça c'est ce que je n'avais pas encore décrit aujourd'hui. L'autre point de vue choisi par Hartmann également, toujours nu égale moins 31.6, mais cette fois-ci, on va remplir plusieurs godets. Là j'avais rempli un seul godet, là j'en remplis plusieurs. Donc on est dans le cas où on prépare un paquet d'ondes, si vous voulez, un paquet d'ondes tendues qui a un écart type de 5 sites à peu près. Donc je pars d'un paquet d'ondes centré sur le site 0, mais qui s'étale entre, disons, moins 5 et plus 5, si je prends la largeur à 1 sur racine de E, paquet d'ondes de vitesse nulle initialement, et là, à ce moment-là, on trouve le phénomène que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, à savoir le phénomène de l'oscillation, le paquet va jusqu'à moins 30 à peu près, enfin, cette valeur de nu, bonne approximation, puis repart. Ça, c'est exactement le petit dessin de Zener de l'électron qui allait jusqu'en bord de zone et qui revenait comme ça. Donc, l'interprétation de paquet d'ondes qui marche bien, et là encore c'est un phénomène périodique, mais dont la nature est quand même très différente de ceci. Voilà, donc là, on a fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ça ne termine pas le chapitre 5, que j'avais prévu un petit peu long, donc la semaine prochaine, avant de vous parler de pointe Dirac, qui est le chapitre 6, je terminerai ce chapitre 5, hop là, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je terminerai ce chapitre 5 en vous parlant d'échelle de Vanier-Stark, et puis en vous parlant des applications pratiques, brièvement, des oscillations de blocs, à savoir les applications métrologiques, mesure de H sur M, comme c'est fait dans l'expérience de François Birabin, et puis également mesure de force, mesure de gravité ou mesure de force faible. Voilà, merci pour votre attention.